c'était vraiment bien. Good, good. T'inquiète, ma bonne, tu pourras voir la rediff. Ben oui, non, c'est sûr, certain. Hein, t'sais. Tout sera rediffusé. C'est point un problème pour ça. D'abord, je le dis d'abord Peach, non. D'abord, Bowser puis la belle princesse Peach furent perdus dans les couloirs du château. Allons-nous les revoir un jour? Non plus jamais. C'est la fin. Sans ses alliés, notre héros Mario pourrait-il faire face au diabolique comte Nyark? L'atmosphère du château se faisait de plus en plus lourde et menaçante à chaque pas. Tout ce qu'il pouvait faire était d'avancer péniblement en silence. C'est fou le progrès, ben oui, non, mais clairement. Hein. Écoute, même plus besoin d'écouter des événements en live, t'as juste besoin de voir une rediffusion quelque part. Écoute, ça ne sert plus à rien, le live. Vous êtes ici, vous pouvez voir la rediffusion. À quoi? Pourquoi vous êtes tous ici? C'est le gars qui dit, genre, partez tous. Pourquoi vous restez ici? Ça sert à rien. La puissance du vortex augmente, je le sens, le cœur du chaos est tout prêt. La fin est proche, nous devons nous dépêcher. J'espère qu'il n'est pas trop proche non plus, parce que sinon, ça serait un petit stream. Oh, c'est des monstres de l'eau, là. Ils sont ici, parmi nous. Ça, c'est quand même assez spécial qu'il y ait eux ici. Et là, j'essaie de ne pas me faire toucher par tout ce qui existe. C'est quand même gentil. Merci. Alors, il fallait que je perde le speed dès que je m'en vais directement sur le truc. Il me reste pas beaucoup de vie. Il va falloir que je fasse attention. Pour pouvoir dire des conneries et spammer les émotes et les points d'exclamation, bah oui. Bon, en même temps, il y a toujours une... Oh! Héros, grand cœur. Ok, let's go. On stoppe la roue. Un item pour nous donner de la vie. Oh, merde. C'était peut-être pas la plus brillante idée que j'ai faite. Il va falloir que je récolte l'item à l'autre bout du monde. Yaaayé. Yeah. Attends, on va essayer de faire quelque chose. On va s'organiser. Checkez-moi ça! Checkez ça comment je vais éliminer tout le monde. Quelle belle exécution, ma foi. Digne des... Oh, le plus long en plus. Oup! Oup! Comment me personnaliser? Checkez-moi ça! Écoute, Boy Puccino. Je viens de comprendre pourquoi tu dis d'abord. C'est pour ça, le checker moi ça. Écoute, je me l'enverrai en privé sur Discord, je vais pouvoir le rajouter pour le prochain stream. On tue des cochons! On tue des cochons chez vous! Et moi, je tue les petits cochons. J'aime pas trop le fait qu'il y a des anneaux qui sont lancés tout d'un coup de ce côté-ci. Pourquoi? Finalement, il n'y a pas... Ah! 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 Pensez m'avoir ici, mais non. Est-ce qu'il y a des murs invisibles? Ah non, c'est pas l'espèce d'ennemi qui fait des murs invisibles. Quand l'ennemi qui fait « Oh là là, je fais des murs invisibles, personne peut venir me frapper. » Et moi, je fais comme « Ben oui, salut. » Est-ce que tu sais c'est quoi que Boy Puccino, tu vas prendre comme commande ou tu sais pas? Par curiosité. Hey, comment ça va? J'arrive juste à temps pour pas manquer la fin. Écoute, monsieur Frodon, hello. J'espère que tu vas bien. Oh non, pas plein de dimensions. Je vais les esquiver comme ça, I guess. Ben oui, ça va bien de mon côté, écoute. On avance bien à date dans ce jeu. Vers la fin du stream. Vers la fin du jeu. On avance quand même assez bien. Ok, là, il y a beaucoup de miroirs qui font semblant que c'est des plateformes, mais c'est pas des plateformes. Ouais, c'est frustrant. On va essayer d'enchaîner les points ou les enchaînements de points. Ah merde! Dimension, je pense que c'est mon ennemi que j'apprécie le plus de ce jeu-là. Même si apprécier est un grand mot quand même. Ah, j'ai besoin d'une clé. T'es pas sérieux que genre faut que j'aille un emplacement pour aller chercher une clé? Est-ce que j'ai l'air d'être un emplacement pour aller chercher des clés ici? J'ai-tu l'air d'être une clé? Jericho, il dit exactement la même chose. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux? Je peux pas taper sur ces ennemis. Okay. Fait que là, il y a probablement un emplacement. Et c'est pas un miroir.
Il y a sûrement un emplacement que je peux passer à côté. Tu croyais vraiment qu'on restait pour toi, Mad Bob? Ben non, on est là pour les émotes et les points d'exclamation de second degré. C'est une blague, Mad Bob. Mais non, t'inquiète. Hein. Je me doute bien. Il n'y a rien de spécial. Mais j'ai besoin d'une clé. Je n'ai pas de clé. Ok, on va essayer quelque chose. Non plus. On va essayer quelque chose d'autre. Je peux pas prendre les trucs. Ok. Je suis un peu... On peut en recherche d'idées. Il y a sûrement un code qu'on peut passer au travers. Aha! Aha! Elle a bien le reflet des miroirs, exactement. Mais c'est ça que je me doutais probablement qu'elle allait avoir un miroir, mais j'ai pas vu par rapport au reflet. Le aïe aïe des hommes du pilier dans Jojo. Oh, le aïe 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 tu. Oui, ok, je sais quoi. Mais tu me l'enverras quand même, juste pour que je m'en souvienne. Mais quand même. T'as peut-être vraiment une bonne alerte, tu vas pas compléter avec Yashar et son... Oh my god! Écoute, ça va bien, Monsieur Frodon. Je sais pas si t'étais là, mais ça va bien. J'espère aussi que ça va bien de ton côté. Écoute, j'ai vraiment hâte en fin de semaine. Je sais que tu vas être présent pour le... La fameuse Choice Co-op. On va vraiment bien s'amuser, ça va être vraiment plaisant. Mais jusqu'à maintenant, on continue Paper Mario, on avance bien. J'espère bien finir pour ce soir. Normalement, je suis prêt à dire que ça va être le cas. Hein. Je penserais pas qu'on... On prenne plus de temps que prévu à cette réalisation hors du commun de finir le jeu. C'est pas hors du commun. Hop, on récolte les petites pièces, même si c'est pas extrêmement grave de toute façon de pas les récolter. En plus, je viens de me prendre le jeu de combat de Jojo. Wouh! Not bad, not bad. Oui, j'ai le fichier, je t'envoie ça. Good, good. Thanks, Bay Puccino. Bien apprécié. Moi, c'est de mon côté en parlant de... Attends, je vais utiliser mon objet de carte pour prendre cet ennemi. Ça va au moins quelque chose. Hein. Mais non, c'est ça, c'est... il faut que je regarde la nouvelle partie de Jojo qui est sortie. Il va falloir que je fasse ça. J'ai toujours pas fait. Oh, c'est fermé. Dis-moi pas que c'est fermé à clé. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est fermé à clé? Tu dois trouver la clé, bien sûr. Explorons, explorons. Oh! Bonjour. Il joue au foot, on s'en fout. Ah merde, on fout à moitié de bon. Mais non, il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Oui, oui, juste me concentrer sur tous ces ennemis qui sont à tuer. Merci. Oui, ça va bien. Je soupe en même temps. J'ai fini à 17h de travailler. Aucun problème, monsieur Frodon. Écoute, je comprends ça parfaitement. C'est parfois complexe d'essayer de s'organiser un stream pour soit des Européens et des Québécois aussi en même temps. Aucun problème, mais bon souper à toi, écoute. Hop. J'ai souvent été chanceux, genre vraiment comme one shot de l'avoir comme le bon truc. Ou est-ce que chacun me donne quelque chose? Et j'ai juste vraiment été chanceux. La première partie de la saison 6, non, la deuxième partie de la saison 6. Celle qui vient de sortir sur Netflix il y a une semaine. Bon, je regarde la deuxième partie parce que la première partie, je l'ai gardée il y a un bon moment de ça. Il faut que je regarde l'autre partie. Merde, attends, je vais juste essayer de le faire avec. Non. Faire avec. C'est pas lui, finalement. Ouais, ça, il est sorti, puis il y a beaucoup de gens qui ont juste pas porté attention que ça a sorti. C'est ça qu'est-ce qui est quand même... Je dois pas dire hilarant, mais je veux dire qu'il est quand même assez comique. Du fait que ça a sorti et que ça a été sous silence, littéralement. Il y a comme personne qui a vraiment comme dit « Ah ouais, mais c'est sorti. » Je te gâche que... sûrement qu'il y a une autre porte qu'on peut ouvrir, I guess. Pourquoi depuis tantôt on fait exactement... Ah, attends. Pogne. Yael, pogne. Des amateurs de Jojo, des personnes qui peuvent pleinement apprécier ma blague de « But it was me, Dio », on parlait en... Oui. Et moi aussi, Monsieur Frodon, à chaque fois que j'entends « But it was me, Dio ».
Écoute, je comprends, c'était référence à 160 millions de %. Et c'est vraiment comme la joke parfaite à faire avec Zoroark. Ça, c'est chiant que tu fais. C'est un peu frustrant. Merci de me donner un son de 20. C'est quand même pratique. Bon, après, je l'ai déjà lu, mais je vais quand même regarder. Mais écoute, moi, j'ai vraiment hâte de quand même le regarder. Hein. Parce que j'attendais quand même cette saison avec impatience. Je suis quand même bien heureux. Bien heureux de tout ça. Ok, je suis même pas obligé de les tuer en plus, parce que je perds mon temps à le faire. C'est le Wallet! Écoute, c'est pas si grave si t'as manqué la notification. T'as manqué à date le 7-2 qu'on a fait. On est rendu au 7-3. Il y a Peach qui s'est sacrifié maintenant. Il nous reste juste simplement Mario et Luigi. Oh bien! Et tu dis que le marteau c'est plus rapide, non, pour les chums? Écoute, la bombe, ça va plus vite, si j'ai ricou. Mais sinon, comment ça va, mon Wallet? Sinon, je peux te donner un truc, Wallet, pour ne pas manquer aucun des streams. Tu sais, c'est quoi? Attends, là, juste ouvrir la porte, mais... Attends. Wait a minute. J'ai appuyé sur le bouton, juste ouvrir la porte, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui était caché? Wait a minute, comme on dit. Et je pense que c'est juste une porte piège. I guess qu'il doit avoir une autre porte qui est juste avant. Mais sinon, c'est ça. Wallet, veux-tu savoir le truc par excellence pour ne manquer aucun stream de Mad Bob? Tu fais point d'exclamation Discord, tu viens sur le Discord, puis t'es sûr d'en manquer aucun. Parce que tu peux te mettre une petite notification, hop, hop, comme ça t'es sûr et certain de ne pas manquer le stream. Malade, hein? Malade, tout ça. Ah. Bien évidemment, en arrière d'une porte, il y a une porte. Je suis pas rendu aussi loin que vous, j'ai fini la saison de Josuke, mais c'est un anime parfait. Non, vraiment, Jojo, c'est un très bon anime. J'apprécie vraiment beaucoup de références à des trucs culturels aussi, qui est vraiment cool. Qui rend l'expérience vraiment plus appréciable. Et en même temps, toutes les memes qui existent dans le monde, il y en a beaucoup qui proviennent de Jojo. Fait qu'au final, moi d'avoir connu beaucoup de memes, et d'avoir regardé Jojo par la suite, me fait encore plus trouver que c'est hilarant comme série. Chaque jour qui nous rapproche de la Elite League Challenge me fait que je vais de mieux en mieux, écoute. Même chose, écoute, t'en restes pas tant, il te reste une semaine. Une semaine. On va pas compter la journée d'aujourd'hui, hein. On va dire qu'il reste une semaine, il en reste pas long. Ça va être vraiment cool, puis moi aussi j'ai bien hâte de commencer ça. Ça va être bien cool, et moi aussi ça va bien de mon côté, écoute. Puis merci Ramakota d'avoir mis... Ok, il faut qu'on y aille dans un ordre. 1, 2 et 3, donc. 1. À moins que c'est plusieurs coups qu'on doit donner. 2. Là, j'espère qu'il faut pas. Si je ressaute dessus, ça fonctionne pas. Et attends. Je pense parce que j'ai ressauté que ça fonctionne pas. Mais ça va bien aussi de mon côté, Wallet. J'aime toutes les références musicales avec les noms des stands. Exactement ça. Je trouve ça con quand même qu'il ait censuré ça. Dans l'animé. Genre, qui ont censuré les noms de Sten pour mettre d'autres noms. Je comprends pas trop pourquoi. C'est un peu spécial, quand même. Je sais pas trop pourquoi. Et en même temps, c'est juste le nom d'un groupe ou le nom d'une chanson, tu sais, c'est pas extrêmement grave, mais bon. Écoute, qu'est-ce que tu veux, comme on dit. La saison 3 avec les mouvements de langue autour de la souris me font pleurer et rire, mais oui. C'est juste parfait, ça. Là, on a trouvé la clé. La clé sert à quoi? Est-ce que c'était au début? Est-ce que c'était au début qu'il y avait une porte par rapport qu'il fallait ouvrir? J'ai comme un doute tout d'un coup. Question, c'est laquelle votre Jojo préféré pour le moment? Je te dirais que c'est quand même... C'est dur à dire. Sûrement ouvrir une porte, mais si Wallet, j'apprécie vraiment. Mais juste pour répondre à la question, je pense que je dirais Jotaro. Joseph ou Jotaro, les deux sont quand même comme. Ils ont leur personnalité chacun. Et chacun a une personnalité différente de toute façon. Mais oui, c'est ouvrir une porte, mais laquelle? Écoute, je reviens sur mes pas. Ou attends! Attends. Mastermind que je suis. Est-ce que. Écoutez. Il y avait une porte. Ici, derrière une porte. Est-ce que selon vous, il y a une porte derrière la porte qui a une porte derrière celle-ci? Ah. J'aurais pu.
pense que c'est de revenir sur nos pas. Écoute. Je suis plus trop sûr pendant deux secondes. Journo aussi était cool. J'avoue aussi que j'avais bien aimé. Josuke, qui est le quatrième, si je me trompe pas. Technique spéciale des Josar, la fuite, c'est parfait avec la petite danse en plus. J'aime bien mes souffre-don. Écoute, jusqu'à maintenant, vraiment, ceux que les gens qui n'ont pas regardé Jojo, regardez. C'est vraiment un anime à regarder. Je vous le conseille. Parlant d'anime, si tu pouvais oublier un anime pour le réécouter pour la première fois, ça serait lequel? Écoute, je suis sûr et certain. Je viens de me souvenir d'un de la porte. Mais je suis sûr et certain que beaucoup de gens vont être extrêmement d'accord avec mon choix. Full Metal Alchemist. Sérieusement, d'oublier toute cette histoire et de le réécouter une autre fois, c'est probablement genre l'anime que je voudrais comme... À chaque fois que je le finis, paf, je l'oublie, je recommence, puis je me souviens de rien. C'est tellement bon. Probablement facilement dans mon top 3 des animes préférés, voilà. C'est vrai que c'est solide, clairement. C'est super bien fait, puis c'est surtout aussi que c'est comme... C'est pas, tu sais, quelque chose qui ne finit plus. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en gros, c'est 63 épisodes. Moi, je parle de Brotherhood, juste pour être sûr. Ah merde. C'est 63 épisodes, puis tu sais, c'est juste assez. C'est pas trop long, c'est pas trop court. T'as assez pour embarquer dans le... Pour embarquer avec les personnages, puis apprécier chacun d'entre eux et tout ça. C'est juste bien fait. C'est vraiment... ça serait mon go-to. Arrêtez de me faire toucher par les ennemis, ce serait comme sympathique à un moment donné. Attendez, juste me concentrer sur les ennemis, puis après, je vous lis deux secondes. Rien de spécial ici. Je reviens à la place. Perso, ça serait Attack on Titan ou Hunter x Hunter. J'avoue qu'Hunter x Hunter aussi, c'est très très bon. Un peu déçu de la... Je pourrais en parler longtemps, mais je suis un peu déçu de la partie des Ents. Côté anime, c'est là que tu sentais que c'était vraiment comme trop proche du manga. Puis ils ont juste vraiment étiré, genre, toutes les cinématiques, tous les trucs en particulier. Oh, ok, il y a un chemin précis à prendre. Fait que c'est ça qu'est-ce qui me fait un peu. Mais ça reste un super bon anime. Vraiment, j'ai rien à dire pour ça. J'avais commencé Your Lie in April, mais j'ai jamais eu le temps de continuer. Écoute, j'ai déjà entendu souvent Your Lie in April, mais j'ai jamais regardé non plus. Il y a tellement d'animés de toute façon, à un moment donné, ça devient tellement difficile. Mais pour les mois qui sont à venir, il y a pas mal des trucs qui sont très très bons qui s'en viennent. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je peux juste vous en nommer très rapidement. Spy X Family, deuxième saison qui s'en vient. Par la suite, il y a My Hero Academia, la sixième saison qui s'en vient. Il y a Mob Psycho, troisième saison qui s'en vient aussi. Et par la suite, il y a aussi Attack on Titan en début d'année qui s'en vient. Chainsaw Man qui s'en vient aussi. Il y a tellement de trucs qui s'en viennent, c'est malade. C'est vraiment malade. Le pacing était long, exactement. Puis, tu sais, c'est une partie de pacing, comme tu dis, Wallet, mais aussi c'est une partie que. Tu sais, quand, mettons, il monte des escaliers, ou le. Surtout, non, c'est pas ça, c'est pas qu'il monte des escaliers, mais mettons, le narrateur qui explique tout ce que tu vois. Il y a une voix off qui t'explique juste littéralement ta vie au grand complet. Genre, je comprenais pas pourquoi. Tu sais, c'était pas nécessaire. Genre, à un moment donné, je peux juste le voir, mais c'est là que tu vois qu'il fallait qu'il tire. Tu sais, tout au grand complet, puis tu sais. C'est le fait que le manga a eu beaucoup de pauses et tout ça, parce que l'écrivain a beaucoup de problèmes de santé et tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça qu'est-ce qui rend triste quand il y a un animé qui peut pas juste aller dans ce qu'il veut, tu sais. Voilà, voilà. Sinon, juste vous rattraper un petit peu. Ce que je voulais vraiment de finir, si c'est un jour de le regarder, j'ai adoré perso en parlant de My Girl Line April. Je doutais que Death Note perso est dur à battre. Death Note, j'apprécie bien. Mais de l'oublier, je te dirais que ça me dérange pas tant, parce que même si je le réécoute, je me souviens pas de tout grand complet de Death Note. Il y a des trucs que genre je me souviens pas à 100%, mais oui, c'est solide comme animé aussi. Un très bon animé aussi pour commencer. Les gens qui regardent pas tant d'animés, ça devient très intéressant, ça.
That's a lot of dimensions. Je peux juste traverser, s'il vous plaît, merci. Oh oui. Compliqué, c'est de se promener là-dedans dans toutes les dimensions. Non, mais si vous pouvez me laisser tranquille, merci. Ouais, l'automne va stack up niveau anime. Ben oui, clairement, c'est genre après l'été, c'est genre paf, ça finit plus. Le dernier qui m'a détruit émotionnellement, c'est Assassination Classroom. J'avoue. J'avoue que je suis très d'accord avec toi, Ouellette. Même si tu doutes pertinemment de qu'est-ce qui se passe, tu te fais juste complètement t'exploser. Attends, c'est quoi? J'ai pris, c'est une carte? J'ai pas pris de clé, right? J'étais sûr certain que j'avais pris la clé, mais finalement non, ça a juste été une carte, right? Je suis peut-être trompé. C'était une feinte. Je pensais réellement avoir la clé, mais finalement non, c'est de l'autre côté. Juste pour le troll. Violet Evergarden aussi, c'est un ennemi que j'adore. Ça, je connais juste de nom, mais j'ai jamais regardé. Écoute, il y en a tellement. Mais si jamais vous êtes vraiment intéressé, sur le Discord, je pense qu'il y a mon main anime list que j'ai mis dessus. Puis il y a pas mal tous les ennemis que j'ai regardés. Après, on pourra en parler des lustres de tout ce qui existe parce qu'il y en a tellement, tu sais. Mais pas mal de trucs intéressants. Sinon, j'aime ceux aussi qui sont différents comme Shokugeki no Soma. Oui, Food Wars, c'est vraiment intéressant. J'ai pas regardé la dernière saison en plus, faudrait que je regarde un jour. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Allons péter la gueule à Dimensio. Ça va être vraiment bien pour ça. Ainsi, vous êtes arrivé enfin. Ben oui, c'est sûr et certain. Dimensio, je te dis, je suis sûr et certain que c'est le méchant de tous les méchants. Il y a un petit twist qui va arriver avec lui. Hein. Oh, mais ça alors. On dirait que vous avez perdu la ravissante princesse et le gros bras en route. Dimensio, nous n'avons pas le temps d'échanger des piques avec toi. Dégage du chemin. Oh, je vois, vous êtes pressé. Je vais m'écarter de votre chemin alors. Quand vous m'aurez vaincu, vous êtes bien sorti jusqu'à présent, mais je vais corser un peu la difficulté. Nous allons jouer à chat avec de la magie. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment que je le cherche? Ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Ok, est-ce que tu es vraiment en train de m'expliquer comme quoi que il va vraiment falloir que je m'amuse à chercher Dimensio?